Patience, les gars, je suis à vous dans une minute. Valente, j'ai souvent marché avec vous dans des tas de combines peu avouables, mais cette fois, vous êtes allé trop loin. Vous irez en prison. Après tout ce que j'ai fait pour lui. Vos filouteries ont déjà coûté à ma société des dizaines de milliers de dollars. Davantage, monsieur Murdoch. Nous vous avons financé pour installer une scierie. Et vous abandonnez tout pour aller voler du bois en Californie. D'après la nouvelle loi, c'est strictement légal. Tout ce que je sais, c'est le montant de vos dettes. Et vous irez moisir en prison jusqu'à complet paiement. Mais me jeter en prison, c'est le plus sûr moyen de ne rien récupérer. Alors, qu'est-ce que représente cette somme pour un groupement aussi important que le vôtre? Laissez-moi emmener une équipe de mes gars là-bas et je ferai votre fortune. Écoutez, vos hommes, vous leur devez leur paye de plusieurs semaines. Jamais plus ils ne voudront travailler pour vous. J'ai leur estime. La vôtre aussi, Murdoch. Et pourquoi aurais-je encore confiance en vous? Parce que votre société veut de l'argent à tout prix et qu'il y en a en masse en Californie. Hey Jim, qu'est-ce qu'il y a? On pourra bientôt plus tenir les gars. Voyez, Murdoch, vous feriez mieux de me les laisser prendre en main avant qu'ils saccagent la Syrie et que je vous coûte quelques milliers de dollars de plus. Daisy, mon chou, veux-tu emmener M. Murdoch à l'hôtel? Le meilleur champagne pour lui et ses amis. J'en ai justement quelques bouteilles de la bonne cuvée. Venez avec nous, chérie. J'ai quelques amis romanesques qui raffolent des policiers. Et ne l'oubliez pas, Fallon, je peux vous faire mettre en prison aujourd'hui même et pour longtemps. Vous n'aurez qu'à aller encaisser ce chèque. Non, tu nous as déjà fait le coup trois fois. Ouais, on veut de l'argent liquide. Ouais, du liquide. C'est pas notre affaire. Comme vous voudrez, bon. Vos désirs sont des ordres. François, porte ce chèque à la banque et prends deux hommes avec toi pour t'escorter. Eh bien, va donc. Tu as entendu? Ils veulent leur argent tout de suite. Vous savez ce que ça signifie. Vous brisez l'équipe. Pour toujours. Jim Fallon et ses gars. Dès l'instant où vous signez votre reçu pour solde de tout compte, c'est la fin. Vous faites sauter. Vous mettez sur la part. Ça serait une bonne chose, Fallon. Il serait bien temps aussi. Paie-leur ce que tu leur dois. Et qu'ils reviennent travailler avec des gens honnêtes. Ils seront payés régulièrement. Nous t'avons assez vu, Fallon. Tu vas quitter le pays. Et en vitesse. Un couple de chats sauvages qui se sont changés en tigres. On ne rigole pas, Fallon. Fous le camp. Je ne partirai que quand je serai prêt. Sortez-les d'ici. Bravo, Jim, tu les as bien eus, ces deux salauds.
Les gars, je l'ai échappé belle, mais au moins ça m'a permis de mieux vous connaître. Vous m'aimez bien. Je vais vous dire pourquoi j'espérais que vous ne me lâcheriez pas. Vous me connaissez. Jim Fallon n'exploite personne, il partage avec tous. Et je veux partager avec vous tout le nord de la Californie. Là-bas, il y a des forêts de séquoias géants qui en étront aussi gros que cette cabane. Et tellement grand qu'on ne voit plus le ciel. Il y a une telle longueur de planche dans un seul de ces grands arbres que tout ce qu'on débite ici en un an, ça ressemble à un paquet de cure-dents. Écoutez, vous êtes les meilleurs bûcherons de tout le pays. C'est pour ça que vous êtes mon équipe. Et c'est pour ça que je vous emmène en Californie avec moi. Vous serez les associés de Jim Fallon. On gagnera des millions de dollars et chacun de vous en aura sa part. Qu'est-ce que vous en dites, les gars? Vous voulez encore que François aille à la banque? Vous voulez tenter la chance avec moi? Allez voir dans le bureau, vous y trouverez quelques caisses. Servez-vous largement! Et toi, là-bas? Je n'ai pas besoin de parler beaucoup, ami étranger. Je m'appelle Yukon Burns. Moi, je t'appelle mon porte-bonheur. Tu devrais me donner ta photo, je l'accrocherai à ce fer à cheval. Je serai pas lourd à porter, j'ai le ventre vide. Je te la remplirai vite. Reste avec moi, mon vieux, et tu auras bientôt la panse bien garnie. Viens donc. Chercheur d'or en Alaska, hein? Yukon Burns, le milliardaire, voyageant en train de marchandise pour chercher de l'embauche comme bûcheron. Tu viens de trouver un bon boulot, et pour longtemps. Tu m'aimes bien, toi aussi, hein? J'aime votre façon de mener vos hommes et de résister à vos ennemis. Tiens. Je n'ai pas gagné. Honnête, hein? En plus de ton adresse au pistolet. J'ai du boulot pour un type comme toi. Hé, Jim. Moyen d'ouvrir. Il faut que j'apprenne à ces gaillards-là à ne pas mettre le nez dans mes affaires. Tiens, va mouiller ça. Hé, désolé, je ne m'attendais pas au coup de feu non plus, mais je vous réglerai tout ça en supplément. Tiens. Ça t'apprendra à fermer ta grande gueule. Viens, Yukon. Jim. Un petit instant, Yukon. Les pigeons que tu m'as confiés sont bien cuits et marinent dans le vin blanc. Ils sont à point. Je me demande ce que je ferais sans toi. Ça m'est égal maintenant. Faut payer. Désu, mon chou. Tu n'as plus confiance? Non, plus de Désu, mon chou. Tu préfères Dora Fagg? Laisse mon passé tranquille ou je déballe le tien. Oublie le passé et pense plutôt au futur et prends toujours ça. Nous allons devenir très riches en Californie. Nous partons bientôt. Pas nous, pas moi. Toi. Mon chou, tu fais partie de ma chance. Alors, garde tes boniments pour les gens que tu auras à convaincre en arrivant là-bas. Tu ne les mèneras pas en bateau comme tous les lourdeaux de par ici. Ne crois pas que les Californiens resteront à se tourner les pouces pendant que tu essaieras de leur barboter leur terre. Je m'occuperai de ce problème quand j'y serai. Pas avec moi. Tu m'accompagneras pour veiller sur moi, comme toujours. Tout ça, c'est fini, Jim. J'ai fini aussi de croire à toutes tes histoires. Je reste ici. Et je m'occupe enfin de moi. Tu as raison, Daisy. Tu réussiras bien mieux sans moi. Ça, c'est certain. Je ne vois rien pour toi. C'est vrai, je suis un drôle de bonhomme. Au fond, je ne suis pas un type intéressant. Laisse-moi tomber. Et va faire ta vie de ton côté. Merci. Merci pour tout. Tu n'auras pas de peine à trouver un garçon meilleur que moi. Mais si tu as des ennuis, tu peux compter sur moi. C'est un coup dur, une femme qui vous laisse choix. Elle reviendra. On ne lâche pas Jim Fallon aussi facilement. Je parle aussi pour toi.
Voilà ton boulot. Je vais te niper comme un vrai milliardaire. Tu vas aller en Californie avant moi, en bon commerçant. Choisis les plus grands arbres. Montre ton visage honnête et souris aux indigènes aussi. Facile. Pourquoi? J'espère ne pas avoir à me servir de ça. Quand un homme est mon ami, je lui fais entièrement confiance. Et tu n'as encore jamais mis les pieds en Californie? Seulement dans mes rêves. Pourquoi y as-tu envoyé ce gros plein de soupe avant moi? Réfléchis, François. Tu es un bon chef bûcheron. Mais avant même que tu aies le temps de dire bonjour, les gens te tournent le dos. Ce Yukon. 3 semaines là-bas, ils viendront tous lui manger dans le creux de la main. Oui, j'ai l'impression qu'il va m'apporter beaucoup de veines et j'en ai besoin. Vous avez raison de fermer, monsieur Keller. Je crois, oui. Écoutez, Keller, vous ne pouvez plus refuser de laisser ces hommes demander de nouvelles concessions de poids. C'est moi, l'agent du gouvernement, monsieur Gregg, pas vous. Sur cette porte, je lis heure d'ouverture, 8 à 6 heures. Vous allez me faire le plaisir de rouvrir tout de suite. À votre place, je ne me fâcherai pas. Ah. C'est vous, l'homme de Fallon. Je suis Cliff Gregg. Vous n'êtes qu'un simple accapareur pour moi, monsieur. Oh, bien sûr, vous ne me connaissez pas. Je suis propriétaire de la plus grande scierie de la région et je finance ces gens pour leur demande de concession. La nouvelle loi n'est pas faite pour les voleurs de bois. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ici, chaque bûcheron a dans sa poche une copie de cette loi. Toutes les demandes de concession enregistrées d'après la loi d'avril 1868 sont nulles et non avenues. Les agents fonciers, dont vous, Keller, ont reçu des instructions et sont maintenant autorisés à accepter des demandes pour chaque concession de cette espèce dans leur district, à condition de posséder $125. Je connais cette loi aussi bien que vous, monsieur Gregg, je vous l'assure. C'est pourquoi j'attends d'autres instructions du ministère de l'Intérieur avant de vous laisser voler les vieilles concessions de mes amis. Faire payer $125 d'enregistrement pour chaque lotissement, c'est du vol. Ce type-là a déjà repéré les plus beaux arbres du pays. Et il vous a payé pour attendre Fallon et ses hommes et leur laisser choisir leur concession. Jim Fallon est un honnête homme. Il versera une indemnité à tous les anciens concessionnaires. T'entends, Jim? Une indemnité pour une terre gratuite. Il est peut-être sympathique, ce gros lard, mais il va finir par te coûter cher. Il sait ce qu'il fait. Maintenant, écoutez-moi bien, Keller. Vous allez ouvrir ce bureau tout de suite. Ou je vous fais mettre en prison. Ça, par exemple. Ne faites pas attention à lui, monsieur Keller. Ne vous mêlez pas de ces histoires, sœur Alicia. Pourquoi sont-elles habillées comme ça? Elles appartiennent à une communauté. Des sauveurs d'âmes. Ils sont à moitié religieux. La brune peut sauver mon âme quand elle voudra. Ouvrez ce bureau ou je ferai enfoncer la porte par mes hommes. Essayez, vous en sortirez les pieds devant. Keller, vous allez enregistrer nos demandes immédiatement. Allez, les gars! Sœur Alicia, non! Restez avec nous. Tenez bon, monsieur Keller, soyez ferme. Je pars raconter ce qui se passe au juge de la circonscription. Je vous ferai traverser pour 50 centimes, madame. Non, merci. Mais comme vous avez les jambes arquées, 20 centimes. Je n'ai pas les jambes arquées. Alicia! Non, effectivement. Sœur Alicia, votre père saura ce que vous avez fait. Voilà, est-ce que ça ne les vaut pas? Voilà votre monnaie. Merci, mademoiselle. Bonjour, sœur Alicia. Où est votre monsieur Fallon? Je suis venue vous remercier tous les deux de protéger notre terre. Ce Fallon est un type merveilleux. Il vous apprendrait sûrement les bonnes manières. C'est Jim Fallon. Oh. Je suis enchanté, mademoiselle. Madame Chadwick. Oh. Et je vous le répète, vous n'avez plus à vous faire de soucis pour vos arbres. Jim va s'occuper des concessions. Il a beaucoup d'argent, à croire presque qu'il le fabrique. Pourquoi n'avoir pas renouvelé votre demande? Multipliez la caution de $125 par 400 lotissements. Vous verrez combien nous aurions dû verser. 400 lotissements et pas d'argent? Vous êtes de piètres exploitants. Aucun membre de cette colonie religieuse n'a jamais cherché à amasser beaucoup d'argent. Il n'y en a pas besoin. Vous voyez, Jim, ce sont des gens merveilleux. Ils vous donneront tout ce qu'ils ont. S'ils n'ont vraiment rien à vous donner, ils feront une prière pour vous. Sœur Alicia, vous pensez qu'une prière suffira à sauver vos grands arbres? On nous a dit que nous pouvions compter sur vous pour ça. Nous ne voulons pas qu'on y touche. Qu'ont-ils de particulier? Quand vous les aurez vus pendant quelque temps, vous comprendrez. Sœur Alicia,
Je vous en prie, éloignez-vous de tous ces hommes. Il n'y a pas de danger quand ils sont plusieurs. Je suis surpris de vous l'entendre dire, mais vous avez raison. Sœur Alicia est restée beaucoup trop longtemps dans le monde. J'aimerais vous présenter à mon père, Monsieur Fallon. Voulez-vous dîner avec nous ce soir? Avec plaisir. Je vous retrouverai à 6 heures à la clairière. Monsieur Burns connaît le chemin. J'ai hâte que vous voyiez nos grands arbres. Merci. Ça doit être bon signe. J'ai connu des tas de filles, mais c'est la première fois que l'une d'elles me demande d'aller voir ces arbres. Je croyais que ce voyage était strictement d'affaires. Il y a 100 façons de faire des affaires. Qu'est-ce que c'est que toutes ces promesses que je t'ai entendu faire? Du simple bon sens. Yukon, je serai plus tranquille si vous m'accompagnez chez moi. À votre disposition comme garde du corps. Hé, Yukon, je voudrais te parler. Rejoins-moi au bar. Tu ferais bien de te débarrasser de cette abruti. Je te ferai pincer avec ses imbécilités. Est-ce que je t'ai déjà demandé ton avis? Écoute. J'ai refusé les meilleurs boulots pour continuer à diriger ton équipe. Tu m'as promis la lune. Et tout ce que j'entends maintenant, c'est cet idiot qui parle de payer. Payer ce qu'on peut avoir pour rien. Personne ne paiera. Dès que le bateau arrivera, j'enverrai mes bûcherons au bureau pour faire enregistrer leurs demandes. Personne ne paiera. Mets ton couteau, Yukon. Merci. Les plus grandes et les plus vieilles choses vivantes au monde, en les regardant, on se sent tout petit. Non, grand. Parce que c'est moi qui les abattrai. La veuve Chadwick et ses amis ne veulent à aucun prix qu'on touche à ces arbres. Ah, elle est veuve? Quelle importance. Quand tu seras grand, je t'expliquerai. Qui était son mari? Un jeune navigateur. On m'a dit qu'il avait péri en mer il y a quelques années. Il y aurait de quoi faire 100 maisons dans un arbre comme ça. Écoutez, Jim. Oui? Ces gens-là vous font entière confiance à la suite de ce que je leur ai dit. Jouez franc jeu avec eux, tout ira pour le mieux. Tu parles. 8 mètres 50 à peine. Ce n'est qu'un bébé. Oh. Vous êtes juste à l'heure. Oh, sœur Alicia, vous n'avez pas quitté mes pensées une seconde. J'espère que vous avez faim. J'attends beaucoup de vos talents de cuisinière. Je ferai de mon mieux, mais après vous m'aiderez à laver la vaisselle, bien entendu. Comme ça, vous aurez l'impression que vous êtes chez vous. Si vous lavez la vaisselle chez vous. Alan, je vous présente mon père, Emile Bixby. Ravi, monsieur. Soyez le bienvenu. Bonsoir. Sœur Blackburn, sœur Wallace. Nous nous sommes déjà rencontrés. Frère Dan. Enchanté, monsieur. Frère William est sur le toit. Et voici la fille de frère William. Je suis charmé. Magnifique pays. C'est différent du Wisconsin. Oui, certainement. Je n'ai jamais été aussi profondément ému que par vos arbres splendides. Et par sa fille. Alors vous pouvez comprendre ce que nous ressentons pour eux. Ces arbres sont presque sacrés pour nous. Sacrés? Mais quelqu'un va les avoir en concession. Nous ne le tolérerons pas. Je suis certain que nous pouvons avoir confiance en M. Fallon et M. Burns pour nous aider à les sauver de la destruction. Si j'avais les mêmes sentiments que vous pour les arbres, je serais bientôt sans travail. Les séquoias géants sont plus que des arbres, mon ami. Ils sont le témoignage éternel et vivant de l'œuvre de notre Créateur. Ils sont vieux de 4000 ans, aussi vieux que la Bible et la foi. Tenez, celui-ci n'était qu'un petit arbre, 900 ans à peine. Mais il était encore un arbrisseau lorsque les conquérants normands envahirent l'Angleterre. Il avait à peu près cette taille lorsque Colomb découvrit l'Amérique. À peine plus gros que ça, à l'époque de George Washington et de notre déclaration d'indépendance.
Cette ligne marque la législature d'Abraham Lincoln et la fin de la guerre de sécession. Il a été abattu pendant le mandat de notre président actuel, M. McKinley. Dieu les fait toucher le ciel, plus haut que la flèche de la plus haute des églises. Ils sont notre église et notre lieu de prière. M. Fallon vous construira une douzaine d'églises. Soyons pratiques. Vous aussi, vous coupez du bois. Nous n'abattons que les arbres moyens. Les géants, nous les conservons. Le gouvernement a signé un arrêt de mort pour tous les arbres de ce district. Nous savons que vous nous aiderez. J'admire votre confiance. Madame ! Doucement ! Belle maison. Où vous asseyez-vous? Les femmes mangent plus tard. C'est une bonne habitude. Monsieur Fallon, voulez-vous vous asseoir ici? Merci. Comment l'appelez-vous? Le plus souvent, Jim. Pas étonnant que nous sympathisions. Pendant que les femmes achèvent de préparer le repas, nous allons lire un passage de la Bible. C'est notre coutume de faire cet honneur à l'étranger invité à notre table. Oh, naturellement, avec plaisir. Monsieur Fallon préférerait peut-être réciter de mémoire. Oh non, j'aime mieux lire. Il m'arrive parfois de mélanger les versets. Ici, les psaumes de David. Bienheureux les pauvres qui n'envient point leurs prochains, car le Seigneur les délivrera de leurs tourments. Amen. 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 Bienheureux les pauvres qui n'envient point leurs prochains. Grosse tête de mule, dans quoi m'as-tu fourré? Je peux vous en dire autant, je suis ici à cause de vous. Écoutez, Jim, combien allez-vous rembourser à ces gens pour leur terrain? Il serait temps que tu te décides enfin à faire preuve d'un peu de bon sens. Tu réalises combien ça coûte de monter une entreprise d'abattage? Je ne peux pas me permettre de payer des milliers d'hectares de terre gratuite si je veux que l'affaire marche. Mais j'ai donné ma parole. Écoute-moi bien une fois pour toutes. Je suis décidé à ne payer aucune de ces terres déclarées gratuites par le gouvernement. Vous parlez comme un véritable exploiteur. Si vous voulez savoir ce que je pense de cette combine, je vous déclare tout de suite que je m'en vais. Et où vas-tu? Je vais en Alaska respirer un peu d'air pur. Allons, on ne laisse pas tomber Jim Fallon aussi facilement. Et je suis trop superstitieux pour laisser mon porte-chance me plaquer. La chance. Vous êtes sur une mauvaise pente. Et tous vos fétiches ne vous en tireront pas. Vous n'avez pas un sou en poche. Et c'est ce qui vous arrive à peu près 9 fois sur 10. C'est toi qui oses me parler comme ça? Quand je t'ai ramassé, tu étais un débris humain, le ventre et la tête vides. Regarde-toi maintenant, tu recommences à vivre. Mais il faudra que ce soit à ma façon. Je ne veux plus me mêler de toutes vos sales combines. Allons, du calme. Laissez-moi passer. Ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. Yukon, tu as gagné. J'espérais une indemnité pour leur terre. Et vous ne couperez pas les grands arbres? Désolé, Jim. Je vais chercher un docteur. Ah, soyez raisonnable. Je vous offre 1%. Et vous mettez tout le matériel dans l'affaire. 2%. Et croyez-moi, c'est uniquement par foi et charité. Je vous crois. Vous êtes un grand cœur. Vous m'êtes sympathique parce que vous faites plus que vous ne devez. Bon, c'est très gentil pour la pommade, mais combien vous a-t-on chargé d'obtenir? Je vous ai déjà dit que la seule chose qui nous intéresse, c'est de sauver nos arbres. Pas votre argent. Attendez, sœur Alicia, je n'ai jamais parlé d'argent, mais d'un pourcentage. Un pourcentage sur ce qui est à vous ou sur ce qui est aux autres? Sœur Alicia, ma conscience est pure. Ça va, j'ajoute 0,5%. Comment s'appelle votre conscience? Monsieur Yukon Burns? C'est tout à fait l'endroit pour parler de conscience. Cette clairière est notre église. Laissons ça de côté et admettons que les arbres sont les arbres et que l'argent est l'argent. Vous en avez là pour des millions. Vous avez raison. Les arbres ne sont que des arbres.
Venez. Avez-vous jamais rien vu de plus beau? Jamais. Il y a certainement assez de bois par ici sans que vous détruisiez ceci. Je ne vis que de brettes blanches. Toute cette beauté ne signifie rien pour vous? La beauté? Bien sûr. Toute la question est là, sœur Alicia, depuis que le monde est monde. Les hommes tournent et retournent leurs champs, soignent leurs vignes, sèment leur blé. Leur sueur arrose la terre et tout ça pour la beauté. La beauté des femmes, c'est l'aiguillon qui nous harcèle et nous pousse en avant. Vous me comprenez? Très bien. Vous avilissez les plus beaux sentiments. Comme plaidoyer, c'est raté. Perdez votre temps avec moi. Je vous crois aisément, Madame Chadwick. Vous avez de l'ordre et de la méthode. Il le faut. En affaires, on doit être pratique et froid. Soyons donc pratiques. Tenez, bûcheron, regardez celui-là. Quelle est sa taille ? Un mètre 65. 64 mètres. Combien de tours? 60 centimètres. 5 mètres. Dimension totale? Merveilleusement proportionnée. Environ 650 ou 700 mètres cubes. Chaque parcelle pleine de vie. Vous connaissez aussi bien que moi le prix du bois livré à San Francisco. Vos lèvres sont très douces. D'un autre côté, il faut 5 fois plus de travail pour débiter un de ces grands arbres que pour en débiter un petit. Et il y a seulement 3 fois plus de bois. Par conséquent, les géants ne sont pas avantageux du tout. Je vais chercher la vérité où elle se trouve. Je disais pas avantageux du tout. Vous devriez comprendre ça. Puisque vous connaissez si bien les chiffres, résolvez ce problème. Vous acceptez mes 3% ou je vous prends vos terres. Et comme on dit dans la Bible ou ailleurs, aide toi et le ciel t'aidera. Vous aurez besoin de beaucoup d'aide. J'ai ce qu'il faut. À plat bateau. Les hommes de Fallon, ils vont au bureau foncier. Voilà le juge. Monsieur le juge, Dieu vous bénisse. Merci d'être venu. J'ai dépêché autant que j'ai pu. Encore envahi par les aventuriers, je vois. Ils viennent réclamer nos terres. Bien, nous allons régler cette question. Je pensais que vous alliez enregistrer au nom des membres de la colonie, Monsieur Fallon. J'ai changé d'avis. Ce sont mes gars qui font les demandes. Je veux de nouveaux formulaires et j'ai de l'argent liquide là-dedans pour régler toutes les avances. Un instant, Keller. Monsieur le juge, dois-je accepter les demandes de ces messieurs? Oui, s'il y a des gens assez mesquins pour profiter de cette loi. Monsieur Keller peut-il attendre? Peut-être que nous arriverons à réunir les fonds. Il ne peut pas attendre. Je connais la loi. Les inscriptions doivent être prises dans l'ordre. Passez-moi des formulaires de demande. Au boulot, mes amis. Remplissez ces formulaires en double. Fallon, c'est un subterfuge, c'est même une fraude. Vous faites signer des hommes de paille. Ce ne sont pas des hommes de paille, je leur prête seulement de l'argent. Persistez-vous à déclarer que c'est illégal? Non, je ne dis rien. Mais le tribunal s'occupera sûrement de cette affaire. C'est possible, mais d'ici là, le bois aura fait pas mal de chemin et le tribunal pourra garder les souches. Jim, vous devez leur laisser les grands séquoias. Je suis venu ici justement pour les avoir. Vous ne les avez pas encore? Nous aurions pu couper assez de bois pour réunir les fonds. Mais nous avons cru votre monsieur Burns. Et nous vous prenions pour un honnête homme. Mais c'est du passé, monsieur Fallon. Et nous vous connaissons maintenant. Avec l'aide du Seigneur, nous nous défendrons à tout prix. Ainsi, vous me faites passer pour un menteur. Rendez ou déchirez tous ces formulaires de complaisance. Il n'y aura aucun enregistrement, d'aucune sorte. Tu as encore gagné. Keller, occupez-vous de ces demandes.
Je vous ai laissé à moitié mort une première fois. Je n'aime pas les demi-mesures. Fais pas l'imbécile, Yukon. Ah non, arrête-toi. Ne te mêle pas de ça, toi. On a de l'argent pour ton billet. Il y a encore de l'or en Alaska. Je reste ici. Tu le regretteras. Il était temps que tu te fasses enfin une opinion sur ce salopard. Ce salopard vaut 100 fois mieux que toi. Allez, les gars, remplissez ces demandes. Jamais je n'ai traité un de mes hommes de cette manière. Vous viendrez bien prendre un verre un de ces jours. Pourquoi pas tout de suite? Et délivrez-nous de la haine, notre père, et que nous ne comptions partout que des amis. Que votre nom soit béni, que votre règne arrive sur la terre comme au ciel. Puissions-nous vivre les paroles des Écritures. Aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces. Amen. Vous êtes le bienvenu parmi nous, mais... Mais je ne peux pas chasser Fallon à moi tout seul. Vous avez bien quelques gars costauds ici. Et si vous vous en serviez comme le Seigneur suggère... Vous avez raison, Yukon. Allez, ici. Laissez-le dire ce qu'il a à dire. Eh bien, j'ai été pendant des années un homme peu recommandable, aimant la boisson, les cartes et autres peccadilles. Mais j'ai lu la Bible entre-temps. Et quand elle vous dit aimer votre prochain de tout votre cœur et de toute votre âme, c'est bien. Mais comme ce n'est pas assez, elle ajoute de toutes vos forces. La force, ça en impose. Ça, c'est des paroles de combat. La force, c'est la seule chose que Jim Fallon comprenne. La violence n'est pas dans nos croyances. Oui, oui, je sais. Et je crois à l'utilité de tendre l'autre joue. Mais chacun d'entre nous n'a que deux joues. Il est temps d'allier nos muscles à la sagesse du Seigneur. Vous ne comprenez pas nos préceptes. Mais pourquoi donc? Le Seigneur nous a donné des muscles pour nous défendre contre les bêtes sauvages et contre les méchants. Quoi que nous fassions, Monsieur Burns, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Mais Monsieur Fallon se sert de la loi pour prendre notre terre. Aie confiance dans le Seigneur. Ah. Je vois que je perds mon temps. Bon, je vous remercie quand même de m'avoir laissé exposer ma théologie. Père. Livre de Job. 9e chapitre, verset 22. Ceux qui vous haïssent seront couverts de honte. Je suis le juge du district. Je vous ai cherché, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Moi aussi. Bon, alors montez tous les deux. Nous irons chez vous pour pouvoir parler plus tranquillement. Monsieur Burns, j'ai appris que vous étiez un homme honnête et adroit au revolver. Je vous ai aussi entendu avouer une faiblesse pour l'alcool, les cartes et les femmes. Pas les femmes, monsieur le juge. Elle déteste la faiblesse. Eh bien, une des principales raisons de ma visite dans cette ville était de nommer un shérif. Shérif? Alors? J'accepte avec joie. Voilà qui est réglé. Mes félicitations, Yukon. Je pense que ça lui donne le droit de s'opposer à Jim Fallon. Oui, mais ça n'empêchera pas sa demande de parvenir normalement à Washington. Seul un cas de force majeure peut empêcher ça. Monsieur le juge, comment un homme de loi définirait-il un cas de force majeure? Eh bien, disons, un cataclysme qui n'a pas été causé par la main de l'homme. Un cataclysme. Merci pour le renseignement. Qu'est-ce que tu as?
Sœur Alicia. Bonsoir. Vous vous intéressez aux quadrupèdes, hein? Je vous approuve, après ce que je sais des bipèdes du genre humain. Mais qu'est-ce que vous pensez du nouveau shérif? Monsieur Burns est un brave homme. Il a transféré l'argent des demandes de Fallon dans une banque pour m'éviter des ennuis s'il arrivait quoi que ce soit. Je vous ai apporté une lettre du juge. Il y donne son opinion sur nos droits dans cette affaire. Je désire qu'une copie en soit adressée à Washington avec chacune des demandes établies par Jim Fallon. C'est qu'il se fait tard et j'ai terriblement faim. Ça fait beaucoup de copies, ça. Je vais commencer à les faire. Allez dîner chez vous. Oh, merci. Oh, est-ce que je peux ouvrir ces fenêtres en grand? Il fait une chaleur ici. Je vais ouvrir. Fermez la porte derrière moi. À tout à l'heure, travaillez bien. Sœur Alicia, j'apporte à manger pour le chat. Va-t'en, toi, c'est pas pour les chiens. Que ce soit d'ici. Sœur Alicia, qu'est-il arrivé? C'est mon chat qui a renversé la lampe. Il a eu peur parce que deux chiens le poursuivaient. Je ne peux pas blâmer ce chat. Viens ici. T'es là à regarder brûler? Quel beau spectacle! Mes demandes sont là-dedans. Oui, mais votre argent a été transféré à la banque, Fallon. C'est moi le seul perdant, c'est mon tribunal qui se consulte. Je vois. Bien entendu, je suppose que personne n'a songé à appeler les pompiers. Comment est-ce arrivé? Un accident. Un chat. Ma chère sœur, vous n'êtes plus l'innocente enfant que j'ai connue. Moi, tu me reconnais. Que celui qui a volé ne vole plus. Qu'il peine et travaille de ses mains pour le beau, le bon et le bien. Épître aux Éphésiens. Quatre premières lignes, 26e. 28e. Quel air vous pourriez télégraphier à Washington ce soir pour avoir de nouveaux formulaires de demande? Ne vous pressez pas. Vous ne pouvez pas faire de nouvel enregistrement sans un duplicata des titres. Il faut le temps. C'est le cas de force majeure le plus satisfaisant dont j'ai jamais eu plaisir d'être témoin. Je demande que vous désigniez un shérif pour faire une enquête. C'est fait. Shérif Burns, voulez-vous examiner cette affaire? Shérif Burns? Oui, je ne peux rien faire dans un cas de force majeure. Je vous cite un précédent, Monsieur Fallon. Le cas de lavage de Madame O'Leary de Chicago. Naturellement, notre affaire est moins importante. Il s'agit d'un chat. Gentil petit chat. Comme vous disiez si justement, aide-toi et le ciel t'aidera. Nous réunirons les fonds pour acquitter les droits en coupant et en vendant du bois. Cet incendie ne change rien aux effets de la loi. Vos gens ne feront rien car le bois ne leur appartient pas. Monsieur Fallon a raison, c'est la loi. Et j'appliquerai la loi à la lettre, Jim. C'est tout ce que je demande. Je crois qu'il faudra dresser cet animal à voler des arbres. Attention! Thank you.
Silence! Silence tout le monde! Silence ou je vous fais tous évacuer! Je déclare ouverte la session extraordinaire de ce tribunal. Quelles sont les charges des inculpés, shérif? Monsieur le juge, Fallon accuse ses hommes de couper des arbres sur des terres qui ne leur appartiennent plus. Ces concessions sont maintenant la propriété du gouvernement des États-Unis. Vous reconnaissez les faits? C'est exact. 30 jours de travaux forcés. Shérif, je remets les prisonniers sous votre garde et vous ordonne de veiller à l'exécution du jugement que voici. Ils couperont du bois sur les propriétés du gouvernement. Les billes devront être transportées au bord de la mer, dans ce port. Monsieur le juge, qu'allez-vous faire de ces billes? Voyons ça, section 7, paragraphe 18 du code pénal. Les bibelots ou autres objets fabriqués par les prisonniers peuvent être vendus et leurs produits peuvent leur être remis à leur libération pour les aider à se réhabiliter. Des billes de 12 mètres de long ne sont pas des bibelots. Ce tribunal est au service de la justice, monsieur. Et vos remarques sont outrageantes. Shérif, percevez une amende de $150. Très bien. Mais pour ce prix-là, moi, je vais vous dire quelque chose. $200. Encore une remarque et ça en fera 300. Mettez ça dans votre coffre. Ça garantit largement l'amende. L'audience est levée. Dans les 30 jours qui viennent, nous devrons faire le travail de 6 mois, nuit et jour. Et même le jour du sabbat, tu retires ton bœuf du puits. Il nous faut au moins $50,000 pour sauver notre terre. Et maintenant, shérif, soyez assez aimable pour faire conduire les prisonniers dans la forêt. Une semaine, si Dieu le veut, et nous aurons l'argent nécessaire. Ma femme et les gosses ont la vie dure à la maison. Je vous répète encore une fois que je ne peux pas vous donner d'argent. Ça grince pas, ça. Ouais, cette combine est peut-être formidable, mais faut que tu nous payes. Et moi, c'est pareil. Et je ne veux pas toucher à l'argent qui me reste à la banque. C'est pour les concessions. Une partie des gars parle de s'en retourner. Personne ne veut rester. C'est vrai. Démolir encore l'équipe, hein? Vous ne pouvez pas me laisser tomber maintenant. Quand les nouveaux formulaires de demande sont arrivés, j'aurai besoin de vous. Les copains n'aiment pas ça non plus. Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? La façon dont tu traites les habitants de ce pays. Qu'est-ce qui vous prend, mes agneaux? Vous vous dégonflez? On est venu ici pour travailler, pas pour voler. Tout ce que je fais est légal. Oui, mais il y a des tas d'histoires qui ne le sont pas. François emmène tout le monde au bistrot. Ça ne prendra plus, Jim. Très bien. Je vous retrouve à la banque. Fichez le camp d'ici. D'accord. Si tu leur donnes ce pli, tu seras appelé en moins de 2. Ils te mettront sur la paille, il n'y en a rien de temps. Tu as une idée en tête? Oui, c'est vrai. Rappelle-toi l'homme de la Syrie, Greg. Il sera un associé sur mesure pour un type malin comme toi. Ne réfléchis pas tant, François. Tu finiras par attraper la migraine. Fallon va certainement se ruiner. Il a fini par taper dans l'argent des concessions. Je l'ai aiguillé vers vous pour le financer. Je pourrai enfin avoir une entrevue avec le fameux Jim Fallon. Et la société Fallon sera à moi et à vous. Faites pour le mieux, François. Je marche avec vous. Ton associé sur mesure défend bien ses intérêts. Il pourrait se passer de toi. C'est une bonne affaire, Fallon. Il y a une chose qui me déplaît. Le code d'essai. Je vois ça. S'il m'arrive quelque chose, la société Fallon vous appartient à tous les deux. Signe ça, Jim. Greg te donnera tout de suite un acompte. Je signe, mais soyez bien convaincu que je vois clair dans tout ce que vous manigancez. Ah, il est toujours soupçonneux. Et n'essayez pas de me tirer dans le dos, parce que sans moi, vous ne ferez jamais parvenir un seul bout de bois à la mer. Que voulez-vous dire? Ce petit secret est mon assurance sur la vie. Sam! Qu'est-ce qu'il y a, patron?
Je ne vais pas vous commander, mais ça ne vous ennuierait pas trop de vous occuper de ces demoiselles jusqu'à l'arrivée de leur bagage. Exactement, ma poupée. Mon Dieu, quelle force. Quoi, Alessand? Est-ce que j'ai joué? Ah, on est arrivé. Départ. C'est la société qui régale. Et voilà! Oh, voilà! 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 Est-ce qu'il y en a qui sont mariés? Je pourrais boire votre chaussure pleine de whisky. On est dans la sienne, elle est plus grande. Là, là. Ça va, remplis-la. Je suis contente de te voir ici. J'ai rêvé de toi pendant des jours. Quand tu dansais sur un tonneau de bière pour 10 cents. Moi, je me rappelle quelqu'un qui n'avait pas les 10 cents, mais qui avait du charme. Tout ça, c'est loin, mon chou. Dis, qu'est-ce que ça te fait d'être la reine de ce patelin? Splendide, si tu en es le roi. Le même vieux Jim. Nous allons être riches, mon chou. Très riches. Signe simplement ici, Dora Fagg. Ouais, le même vieux Jim. De quelle sorte d'escroquerie s'agit-il cette fois? Ces sauvages de l'Ouest ont tenté de me couper la gorge. C'est juste pour me procurer une légère protection. C'est heureux pour toi que j'ai appris à écrire et non pas à lire. Merci. J'espère. Vous avez vu cette dame signer ça? Faites un acte notarié. J'ai envie d'un bonbon de vapeur. Va dans le bar, tu auras ce qu'il te faut. Quoi? Voilà. Au revoir, mon chou. Quoi? Oui, je vais à Sacramento passer quelques jours. Installe-toi ici comme chez toi. François s'occupera de toi. François? Oui, sois gentil avec lui. Entrez. Oh. Mademoiselle Fischer, je vous présente sœur Alicia Shadow. Tu vas peut-être rester maintenant. Excusez-moi, Jim, je ne voulais pas être indiscrète. Oh, Daisy est une vieille amie. Une amie saisonnière. Je venais vous dire que nous avons fini. Notre bois sera bientôt à l'embouchure. Nos vœux ont été exaucés. Nous allons pouvoir garder nos terres. Pourtant, mon père et moi, nous tenions à ce que vous sachiez que si vous voulez rester ici, nous vous aiderons. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, Jim. Touchant. Tu as de la chance que mon père à moi n'ait pas eu de revolver. Qu'est-ce que c'est que cette fille? Crois-moi, Daisy, je te jure que j'aimerais mieux mourir à l'instant avec toi que vivre éternellement avec elle. Amuse-toi bien. I'm the charming soubrette on the police gazette. I can dance with gestures and grace. I've a definite style and a beautiful smile. If by chance you glance at my face, the barbers, the cops and first nighters, they all have pictures of me. I'm sharing my fame with the fighters, John L. and Knockout McGee. I am known as the toast of the Barbary Coast and the kind you'll never forget. I'm a burly cute queen and you'll know what I mean if you read the Police Gazette. Let me humbly suggest there's a way for you to forget. Simply turn to the page, to the news of the stage, when you read the Police Gazette. Champagne. Pour boire à notre santé.
Nous avons des tas de choses en commun. Ah. Et quoi? Eh bien, par exemple, nous avons tous les deux été les jouets de Jim. J'en ai marre, pas vous? Qu'est-ce qui vous trotte encore dans ces boulots? Écoutez, Daisy. Jim est en train de manigancer quelque chose et vous êtes dans le coup. Qu'est-ce qu'il mijote? Demandez à Jim quand il rentrera. Je paie content pour un renseignement. Je crois que je parlerai à Jim de notre conversation. Espèce de sale mufle, est-ce que j'ai une tête à me laisser acheter par une crapule comme vous? Est-ce que j'ai des visions? Ce barrage n'existait pas la semaine dernière. C'est ma foi vrai. Mais des fondations en avaient été mises en place au moment des mines. Fallon, Jim Fallon. Il a bien possédé les chanteurs de cantiques. Pas seulement eux. Mais aussi tous ceux qui voudront passer du bois vers la mer sans mon accord. Mais nous sommes associés. Très juste, et je vous ai mis dans la position où vous pensiez m'avoir mis. Vous avez payé ce barrage avec mon argent. Il n'est pas à moi, j'ai simplement l'autorisation de contrôler la rivière avec. Fallon, vous êtes allé trop loin. Non. Ma santé doit vous être aussi précieuse que la vôtre. S'il m'arrivait malheur, le propriétaire de ce barrage veillerait à ce que vous ne passiez plus une seule bille. Oh, à propos, j'ai rapporté une autre surprise pour vous, Sacramento. Soyez en ville cet après-midi. J'ai obtenu un rendez-vous avec le juge. Ces droits sur le barrage sont valables. Ce titre de propriété a été établi par les mineurs à l'époque de la ruée vers l'or. Il faut trouver le propriétaire. Je suis sûr que si on lui disait... Le propriétaire est une femme, Dora Fagg. Dora Fagg? Sa seule adresse est une boîte postale à Sacramento. Je suis désolé, mais je ne peux rien faire, absolument rien. Merci, monsieur le juge, d'avoir mis les choses au point. Attention, Jim, je me retiens à quatre pour empêcher ce revolver de vous démolir la figure. Ce n'est pas moi, c'est toi qui as poussé ces moutons à se risquer au milieu d'un combat de loup. Tenez, monsieur le juge, ceci est pour vous. Ça vient des services du ministère de l'Intérieur. Tout considéré, mon opinion est que la société Fallon peut sans plus attendre prendre possession de la terre et des bois qui s'y trouvent. Et ils auront le droit de couper nos arbres? Je crains bien que oui. François, toi et Greg, mettez les gars au travail immédiatement. La terre et ses bois sont à nous. Voyez, sœur Alicia, vos amis auraient pu gagner beaucoup d'argent. Vous n'avez jamais appris un autre mot que argent. Vous tombez dans une ornière, Jim. Vous devriez faire attention. Quand une ornière est trop profonde, elle devient facilement une tombe. Et certains de vos associés pourraient bien vous y pousser. Seigneur, écoutez notre dernière prière dans ce temple. S'il doit être détruit suivant votre volonté, si c'est là votre décision suprême, nous nous inclinons. Éclairez notre esprit et notre cœur, afin que nous pardonnions à ces hommes de lucre qui n'ont pas été touchés par votre grâce. Amen. Pas de scrupules à avoir. Nous avons la loi pour nous. Sortez de là! Vous êtes dans la ligne de chute! Il faut que nous partions. C'est notre maison. Ma place est ici. S'ils veulent couler avec leur bateau, tant pis pour eux. Ce serait un meurtre. C'est la société de Fallon qui sera condamnée pour meurtre et nous prendrons sa suite. L'âge et la dimension de ces arbres les rendent longs et difficiles à scier. Nous avons le temps de prévenir nos amis, le juge d'abord et le shérif. Va vite. Dépêche-toi. Eh bien, qu'est-ce qui vous prend? Vous avez entaillé cet arbre pour qu'il tombe sur la cabane? Ah, arrêtez-vous tout de suite, vous autres! Y a quelqu'un dedans? Ben, j'en sais rien.
Oh! Oh! Je suis désolé, mais vous allez perdre votre maison. Mon père est dedans! Restez ici! En état d'arrestation. Fallon nous a ordonné d'abattre cet arbre. Ne faites pas ça, Jim! C'est votre société, Fallon. C'est vous qui aurez à répondre de l'inculpation de meurtre. On me juge déjà, hein? Non, vous serez jugé en temps opportun et pas par moi. Moi, il faudra que je me récuse. Mais ça ne sera pas meilleur pour vous. Emmenez-le en ville et qu'on le place sous bonne garde. Fallon sera pendu pour ça. Quoi? C'était prémédité. Ce n'est pas vrai. Il ne voulait pas de mal à mon père. Il a risqué sa vie pour essayer de le sauver. Je l'ai vu. Et vous l'avez vu aussi. Sans doute, mais il est responsable de tous les actes de la société Fallon. Son propre contremaître témoignera contre lui. Moi, je témoignerai pour lui. Shérif! Libérez Fallon! On ne peut arrêter un homme lorsque le principal témoin dépose en sa faveur. Relâchez-le! Merci. Dans notre communauté, nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Mon père l'aurait fait. François a juré d'abattre Jim à la première occasion. Ça vous étonne? Le type qui tirera sur Jim sera l'homme le plus populaire de la ville. Vous êtes le shérif, vous devez l'empêcher. Moi? Empêcher ça à tout prix. Oh, bon Dieu, j'ai... Dites, vous n'êtes pas amoureuse de ce bon à rien? Mais ma fille, vous êtes folle. Si vous rencontrez un loup au milieu de la forêt, vous n'en approchez pas. À moins que vous-même ne soyez une louve. Il a été assez gentil pour moi. Ça arrive aux loups quand ils n'ont pas faim. Maintenant, écoutez-moi, mon petit. Le jour de son mariage, on pourra passer à Jim une camisole de force et l'enfermer au fond d'un puits. Il sera capable d'en sortir et de se sauver avec les bijoux de la mariée. On a vu des hommes changer. Ça dépend desquels. Ainsi, moi, par exemple, les femmes ont renoncé à me transformer. La plus grande erreur qu'une femme puisse faire, c'est de prendre une crapule et d'essayer d'en faire un honnête homme.
Pourquoi ne partiriez-vous pas quelque part pleurer un bon coup et l'oublier? Shérif, je vous rappelle votre devoir. Qu'il ne lui arrive rien. Sœur Alicia, c'est commencé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous en êtes sûr? Oui. C'est dans quelques minutes. Ah. Oh, emmenez-la à l'hôtel. Chambre 204. 204? C'est la chambre de Fallon. Oh. Oui, et alors? Tout ce qui arrive est de sa faute. Vous voyez ces fenêtres éclairées à l'étage? Ce sont les siennes. Vous irez dans l'herbine du bureau foncier, vous pourrez peut-être la voir de là. Mm-hmm. Charlie, il ne te connaît pas, tu t'occuperas du bar. Moi, j'attendrai qu'il sorte. Toi, va à l'entrée de l'hôtel. Quand il traversera le hall, tu me feras signe. Il faut qu'on arrive à le descendre. Montez dans votre chambre. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je veux vous parler. Hé, hey, dites donc, mon gars, qu'est-ce que je vous sers? Un double whisky. Tout se passe très bien. Qu'est-ce que c'est? Un bébé. Voilà au moins une chose que tu ne m'imputeras pas. On dirait que vous et la cigogne, vous avez voyagé ensemble. Quoi? Bill, c'est un garçon. Ce bébé ne pouvait pas venir au monde dans la rue. Le bébé de qui? Où pourrais-je trouver de l'eau? En bas, dans l'entrée. Merci. Qu'est-ce que c'est, un hôtel ou une pouponnière? Un bébé vient de naître ici, grâce à Jim. Mes félicitations. Que voulez-vous dire, grâce à Jim? Je ferais mieux de sortir. C'est peut-être contagieux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous et vos complices, vous les avez expulsés de chez eux. Je ne suis pour rien dans cette affaire. Si mon père était là, il vous répondrait. Je n'ai rien à voir avec ça non plus. Vous pouvez rester figé sur votre piédestal. Je ne me suis jamais placé sur un piédestal. J'ai bien trop mauvais caractère pour ça. Quelle femme. Dites donc, Don Juan la manque. Si vous essayez de tourner autour de cette fille, je vous préviens que je n'hésiterai pas à vous faire sauter la cervelle. Ça ne risque pas. Je m'y suis frotté une fois, mais je n'ai pas eu le moindre succès. Elle s'est quand même toquée de vous. Tu es cinglé? C'est bien possible. En tout cas, depuis que vous avez signé votre contrat avec Greg et François, votre vie est en danger. Et savez-vous qui m'a demandé de veiller sur vous? La belle Alicia. Je ne te crois pas. Pourquoi me croiriez-vous, puisque c'est incroyable? J'en ai enfin arrivé à ce que vous vouliez. Vous allez être millionnaire. Tiens. Alors dites la vérité pour une fois. Soyez donc sincère et reconnaissez que tout ce fric ne vous donne pas le plaisir que vous en attendiez. Et quoi encore? Vous méritez de vous faire descendre et pourtant j'essaye de sauver votre peau. Pas parce que j'en ai envie, mais parce que je lui ai promis. On est toujours copains, hein? Ça me fait plaisir. Je veux que tu me vois remercier Alicia de t'avoir décidé à me sauver la vie. Allons-y. Baisse-toi, you coy.
connaît ce bois. Il comprenait. Vous voyez où ça l'a mené? Mais c'est pour vous sauver qu'il s'est fait tuer. Il aurait dû penser à lui-même. Quand j'étais petite fille, mon père m'a appris que Dieu donnait une étincelle de bonté à tous les êtres qu'il faisait naître. Mais maintenant, je commence à en douter. Il n'y a pas la moindre trace de bonté en vous. J'ai reçu votre message. Que voulez-vous? Entrez. Asseyez-vous. J'ai trouvé un moyen d'empêcher Craig et François de continuer à battre des arbres. Moi aussi, j'en ai trouvé un il y a longtemps. Mais vous auriez dû avouer le subterfuge que vous avez employé en faisant remplir les demandes de concession par vos hommes de paille, ce qui était une fraude. Asseyez-vous et remplissez une déclaration. Quoi? Vous avez compris. Le gouvernement considérera le dépôt de votre argent comme acquis. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Me mettre à pleurer? Depuis que je suis ici, je me suis donné beaucoup de mal pour vous casser les reins. Vous pourrez vous épargner cette peine à l'avenir. Que vos administrés coupent du bois et amassent de l'argent. Vous occuperez-vous de Dorafag et du barrage qui bloque la descente. Et si c'était moi, Dorafag? Bravo, vous avez pensé à tout. J'admire ce que vous faites, Fallon. Et surtout, n'en parlez pas, que personne n'en sache rien. Comment vont réagir Craig et François quand ils s'en apercevront? Ils ne resteront pas les bras croisés. Faites dans cette déclaration, voulez-vous? Tenez. Vous pouvez reprendre votre porte-bonheur, vous en aurez besoin contre ces gaillards-là. Merci, monsieur le juge. Oh, j'aurais besoin d'un peu d'argent de poche. On fait une partie? Pourquoi pas? La plus forte commence. Je vais vous apprendre à penser à votre âme avant de penser à votre compte en banque. Faites-les enregistrer pour San Francisco. Ça m'embête que tu t'en ailles, Manchou. Tu vas me manquer. Tu battras la mesure pendant qu'elle chantera ses cantiques. Avant que tu partes, tu vas bien me signer ces quelques paperasses, Manchou. Parle d'abord à François de la petite Dorafag. Il est revenu? Je lui ai même vendu le barrage pour 25 000 $. Daisy, Manchou, ce n'est pas drôle. À quoi penses-tu? Tu ne m'aimes plus. C'est une plaisanterie. Ce barrage m'appartenait. Après tout, je ne pouvais pas vivre uniquement de tes promesses. Est-ce que j'ai quelquefois manqué à ma parole? Non, tu l'as donné. Mais tu ne t'écoutais jamais. Il m'a fallu 10 ans pour me décider à ouvrir les yeux. Rappelle-toi tout ce que j'ai pu faire de malpropre pour te rendre service. J'ai appris. Oh, pour ça, j'ai bien appris. Et tu peux constater que j'ai tiré le meilleur profit de tes leçons. Oui. Tu auras réussi à me ficher en l'air. Tu retomberas sur tes pieds, comme toujours. Ces 25 000 $ me dédommageront du temps que j'ai perdu avec toi. Oui, mon vieux. J'ai fini par trouver du fric. Tu as été une bonne élève et tu as réussi un joli coup. Bien joué, Daisy. Tu peux me féliciter, moi aussi, j'étais un bon professeur. Adieu, ma vieille. Bonne chance et sans rancune. Merci, monsieur Fallon. Le juge nous a dit que vous nous laisseriez franchir le barrage. Dieu vous bénisse en ce beau jour. François et sa bande ont racheté le barrage derrière mon dos. Vous allez embouteiller la rivière inutilement. Encore un de vos trucs. Un loup ne peut pas se transformer en agneau. Non, mais l'inverse pourrait peut-être se produire. Qu'est-ce que vous attendez pour vous révolter, pour vous battre?
C'est votre seule chance de faire passer ces billes et de récupérer vos terres. Le barrage ne s'envolera pas avec des prières. Non, mais nous pouvons le contourner. Avec le vieux chemin de fer qu'avaient établi les mineurs. C'est vrai, en prolongeant un peu la voie, on pourra amener les billes à la rivière en aval du barrage. Voilà une bonne idée. Il nous faut des rails et quelques outils. J'arriverai bien à les faucher quelque part. Faucher? Emprunter. La plupart du temps, ça revient au même. Lesquels d'entre vous ont travaillé sur cet embranchement autrefois? Voilà un cadeau de la part du juge. Nourrissez bien ces hommes, ça les stimulera. C'est très gentil de sa part de nous aider. Et de la vôtre aussi. Sœur Alicia, n'oubliez pas que vous parlez à un loup. Je ne suis pas encore devenu un agneau. Avec cette voie, Fallon est presque à la rivière. Ouais. S'il y parvient, nous sommes fichus. À la vitesse où ils coupent leur bois. Cette voie passe sur des ponts. Oui. Où est le plus près de la rivière? Entrez. La première fois que je monte dans un fourgon. Bonjour, sœur Walla. Sœur Blackburn est partie en ville avec le bébé. Oh, mais ça avance. Très bien. 4 chargements sont déjà partis et celui-ci part cet après-midi. J'ai des regrets à l'admettre, mais c'est grâce à Monsieur Fallon. C'est une chance de l'avoir de notre côté, n'est-ce pas? On a l'impression que toute la force de Jéroboam est avec nous. Vous voulez dire Jérémy? Jéroboam était un vaurien. Peut-être les deux ensemble. À tout à l'heure. Oh, dites à M. Fallon que je reste ici jusqu'au dîner s'il a besoin de moi. Très bien. Il s'effondrera. Pensez qu'il le ferait ce coup-ci. Il y a quelqu'un. Allons voir ce que c'est. Il est là, derrière. Doucement, il est peut-être armé. Qui est là? Montre-toi où je tire. Impossible à dénicher dans cet taillis. Ne perdons pas de temps, il faut nous occuper du pont. Desserrez le frein du fourgon, n'oubliez pas de fermer les portes à clé. Nous, on va au dernier wagon. Thank you.
Alicia pense qu'il nous faut encore deux chargements. Ça ira plus vite de les prendre à l'autre chantier. Allez, Jim! Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont dit que le prochain train le ferait s'effondrer. Effondrer quoi? Le pont qui est le plus près de la rivière. On entend un train, ma parole. Impossible, la locomotive n'arrive que dans une heure. Et surtout, allez-y doucement, hein? Si, si, c'est bien un train. Où est sœur Alicia? Elle est dans le fourgon! Alicia, Dieu vous a sauvé. Dieu peut-être, oui, mais pas vous. Vous ne méritez pas de gagner la partie. Ils ont tiré sur frère Williams et ils l'ont presque tué. Et maintenant, nous ne pouvons pas réparer le train ni reconstruire le pont. Et nous ne pourrons pas envoyer les billes à la mer tant que cette digue barrera le passage. Alors, je vous le demande pour la dernière fois. Aidez-moi à faire sauter ce barrage. Ne vous pressez pas. Réfléchissez bien. Mais quand vous vous déciderez, ce sera trop tard. Je serai parti. Attendez! Attendez! Dieu nous pardonne, monsieur Fallon. Allez-y, nous vous suivons. Venez. Ceux qui portent la dynamite, venez avec moi. Tini, couvre-nous pendant ce temps-là. Bien. Maintenant, mes frères, vous savez ce que vous avez à faire. Thank you.
Fallon est sur le barrage. Je crois qu'il va le dynamiter. Mais il va le faire sauter. Ne bougez pas. La main du jugement est sur vous. Maintenant, mes frères, attachez ces hommes. Écartez-vous, mes sœurs, pour que je puisse me servir de cette pierre. Je ne me sens pas du tout coupable. Je vais chercher une autre pierre. Ils vous paraissent différents maintenant. Est-ce que je peux enfin en abattre? Vous permettez? J'en choisirai un petit.